Allez, il est 7h27, Charlemagnien, ce sont les Bleus qui font parler d'eux sur Facebook et Twitter avec cet hymne officiel de l'équipe de France diffusé par ses sponsors. Alors on connaît, oui, l'hymne depuis des semaines des Bleus, Skip the Use, qu'on entend partout, on ne peut pas y échapper. Ouais. Mais les joueurs, entre eux, à Clairefontaine, ont leur propre tube dans le vestiaire. On l'a découvert hier dans une vidéo diffusée par la Fédé, une journée avec Paul Pogba, une journée qui passe par la chambre de Patrice Evra, tonton Pat, comme l'appelle Pogba, et on découvre ainsi qu'en équipe de France, c'est Patrice Evra qui est en charge de la playlist avec un tube dans le vestiaire, la chanson J'ai déconné du rappeur Kubrick. Ainsi droit à la choré, la chorégraphie signée Pogba et Evra, un joli pas chaloupé effectué en claquette par les deux internationaux, preuve en tout cas de la bonne ambiance au sein de l'équipe. Le groupe vit bien, comme on dit dans le foot, reste à savoir si cette harmonie leur permettra de battre ce soir l'Allemagne. Et si la France bat l'Allemagne, elle jouera la finale contre le Portugal qui a battu le Pays de Galles 2-0 hier soir. C'est la première fois que depuis le début de l'Euro que les Portugais remportent un match dans le temps réglementaire. Il paraît d'ailleurs que les joueurs ont voulu revenir sur le terrain par réflexe pour jouer les prolongations. Le Portugal, on dirait ses élèves qui ont eu une mention au bac sans rien faire de l'année. Le Portugal a tiré la bonne carte à l'Europoli, gagné un seul match et filé direct en finale. Grosse déception en revanche pour certains, c'est peut-être un détail pour vous, mais on n'aura pas droit à la finale France-Galles. Pour les Gallois, c'est la fin de la belle histoire, référence à Gareth Bale. Certains imaginent la première déclaration de Ronaldo, je dédie cette victoire à mon talent, quand d'autres tirent la morale de la soirée, le port tue Galles. Oh, vous l'avez, pays de Galles. Le port, oh là là là.